Il n'y a plus de café. Salut Blaireau, j'ai dû partir sur Nantes quelques jours, alors je t'ai fait une petite blague. Je t'ai envoyé le café à Lacano, chez Diane. Et vu que t'es un zadiste et je sais que t'as plus de thunes, tu vas pas avoir le choix, il va falloir que t'ailles te bouger. Donc je te souhaite une bonne marche, tu lui fais un bisou de ma part et au fait, il fallait que je te dise aussi, Némésis a commencé à vraiment me faire chier, elle m'a bouffé deux chaussettes hier. Oh le salaud. Bon, bah faut que j'aille à la cano. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour la cano. Némésis, tu gardes la maison. Aujourd'hui, on est à Lacano pour prendre des vidéos sur des bars, des restaurants et d'autres surprises qui vous attendent sur Regard Critique, mais pas que sur cette rubrique. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Allez les gars, on y va, c'est parti. Écoutez-nous, vous avez tendance à jouer les étonnés. La vue ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Tellement habitué à vivre dans votre inégalité. Plus rien ne vous gêne, donc c'est à nous de tout changer. Vous faites que parler, écoutez-nous. On veut pas de votre armée en bas de chez nous. Viens voir dans nos quartiers. Lacano est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. En occitan gascon, la ville se nomme Lacano. Avant le XXe siècle, l'économie de Lacano est essentiellement tournée vers l'exploitation de la résine et autour du système agropastoral, qui permet de tirer parti de la lande. Donc les élevages bovins omniprésents ne servent pas à la production de viande ou de lait, mais surtout à la fertilisation des sols, qui est assez pauvre. Ceci permet la culture de seigle et de millet, matière première dans la fabrication du pain. En 1884, Pierre Hortal, qui est un propriétaire de Lacano et chef de service des chemins de fer des Landes, fait connaître son intention à la municipalité de créer une station balnéaire, station qui verra le jour au début du XXe siècle. Des villas surgissent du sable et en 1910 est inaugurée la route reliant Lacano à Lacano Océan. Depuis 1979, chaque mois d'août, Lacano accueille une épreuve du championnat du monde de surf, le Lacano Pro. Le club de surf le plus ancien en Europe est le Lacano Surf Club, créé en 1968. On va commencer avec un petit café. Donc c'est là où je suis arrivé ce matin, juste à côté du tabac. Donc je cherchais des cigarettes et j'ai trouvé ce petit restaurant, enfin ce petit café qui est vraiment cool. Ça s'appelle donc la Brûlerie de l'Océan, avec un cadre sympa. Ils ont vraiment pas mal de café, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et des petits jus d'orange, et vous avez un bon accueil, un bon délire, enfin vraiment, vraiment très sympa donc pour commencer la journée. Voilà, la Brûlerie de l'Océan, je vous laisse voir par vous-même.